Face au Covid, à quoi ont servi les multinationales pharmaceutiques? Pourquoi ont-elles refusé depuis 2003 de travailler sur les coronavirus? Pourquoi ne font-elles pas de recherche sur les grandes épidémies qui frappent le tiers-monde? Comment imposent-elles des prix beaucoup trop élevés pour nos médicaments? Est-il vrai qu'elles trichent pour publier des résultats faussés dans les grandes revues médicales, parfois pour des médicaments dangereux? Face aux pandémies annoncées, pouvons-nous faire confiance à ce pharma business? Et sinon, y a-t-il une alternative? C'est ma troisième leçon du Covid pour diffuser ces vérités qui dérangent. Je vais avoir besoin de vous. Partagez la vidéo, recommandez le livre, participez. Merci.